Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Nous sommes le mardi 29 septembre. Nous allons recevoir aujourd'hui Olivier Pluen. Il est maître de conférence en droit public à l'Université des Antilles. Nous reviendrons avec lui et bien sûr cette polémique qui ne s'éteint pas et les propos de Nadine Morano à propos de la France, un pays de race blanche. D'ailleurs, nous vous avons interrogé dans notre micro-trottoir du jour. Nous verrons tout cela dans le journal. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons eh bien notre chroniqueuse Karine Duménil et sa chronique Innovation. Et puis elle nous parlera aussi des offres d'emploi et de formation en partenariat avec LB Développement Outre-mer. Voilà, dans les titres de ce mardi, nous reviendrons donc sur la phrase de Nadine Morano qui a choqué et provoqué de nombreuses réactions. Pour rappel, l'eurodéputée, ancienne ministre, a déclaré que la France était un pays de race blanche. Il y a bien sûr de quoi faire frémir devant de tels propos. Nous vous avons demandé votre avis. Et puis nous parlerons tourisme et ce rendez-vous donné à Paris au pavillon Élysée par le comité de tourisme de Martinique. 400 personnes étaient présentes pour parler du secteur. Enfin, nous vous emmènerons dans l'atelier de Jean-Marc Benoît à Mornalo. Le styliste guadeloupéen formé à Paris a créé sa griffe JMB en 2012. Il présentera sa nouvelle collection itinéraire. Ce sera samedi au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. On commence avec ce premier titre avant de développer avec notre invité. C'est la phrase de Nadine Morano qui a choqué et provoqué de nombreuses réactions. Samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché, une émission de France 2, l'eurodéputée et ancienne ministre a proclamé, je cite, « La France est un pays de race blanche ». Alors il y a bien sûr de quoi frémir devant de tels propos. Les réactions d'ailleurs ont été très nombreuses et n'ont pas tardé. Ce matin, nous vous avons demandé à vous, Guadeloupéens, votre avis sur la question. C'est le micro-trottoir du jour. Il est signé Harold Luce avec Jeff Taylor. Alors, madame, pensez-vous qu'il faille retirer le mot race de la Constitution ? Oui, il faut le retirer parce que ça fait trop de polémiques, trop de racistes au niveau de la Guadeloupe, en métropole. On prend la race noire, comme on dit, pour des terres à terre. Non, il faut arrêter. Il faut retirer ce mot dans le vocabulaire, dans le dictionnaire. Comme disent tous les politiciens. Ça fait un moment qu'ils sont en train de se battre pour, mais il faut, d'ici 2015, retirer ce mot-là. Retirer de la Constitution. Pourquoi ? À cause de sa mauvaise utilisation, je sais. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a eu une mauvaise utilisation du mot par une personne qui essaye de revenir au devant de la scène politique, mais je trouve ça vraiment absurde. On est vraiment tombé bien bas. Tout à fait, puisque le terme race n'a pas sa place, puisqu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Voilà. Il y a une diversité des hommes, mais la race, c'est qu'une race, c'est la race humaine. Je trouve, par rapport à l'actualité, les propos de Mme Nadine Morano complètement infects. Donc voilà. Et le mot race, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et donc les propos de Nadine Morano complètement infects. Le mot race. Non, puisque ça existe. La race, ça existe. Je ne pense pas que c'est bon de le supprimer. Je pense qu'il faut la supprimer parce que dans la mesure que effectivement que ces gens s'amusent à prendre ce mot et effectivement ce qu'on a vu à Métropole à la télé, ça démontre bien que il y a certaines personnes qui sont dans la politique mais qui ne nous prennent pas vraiment pour des Français. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on est en Guadeloupe, il faudrait arriver un moment qu'on arrête avec. Je considère qu'il ne faudrait pas supprimer un mot du vocabulaire, puisque bon, les mots, c'est ce qu'on utilise pour s'exprimer. Bon, par contre, il faudrait que les gens sachent utiliser les mots à bon escient. Parce que insulter une tranche de la population qui est une partie de l'électorat ne peut rien rapporter de bon pour cette très chère dame. Avec le temps où nous vivons maintenant, il y a toujours une polémique sur ça. Ça ne devait pas être. On est tous des êtres humains. Il y a la merde partout dans le monde, donc je comprends pas qu'on se tire dessus pour une couleur de peau ou quoi que ce soit, ou une race, une religion. On est tous des...
Voilà, donc nous allons essayer un petit peu de décrypter tout cela et de revenir sur ce débat autour de la mention du terme race dans la Constitution et son projet de suppression avec Olivier Pluyonne. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université des Antilles. Bonjour d'abord. Bonjour, merci. Et merci de venir nous éclairer un petit peu. Alors, il faut rappeler d'ailleurs que ce projet de suppression du terme de race dans la Constitution, c'était déjà une promesse de campagne de François Hollande. Donc ça ne date pas d'il y a deux jours avec les propos de Nadine Morano. C'est un débat de longue date. Alors effectivement, c'est un débat de longue date. Le président de la République, effectivement, avant même qu'il ne soit élu, il avait proposé en tant que candidat. L'actuel président de région, qui est aussi député, avait proposé également en 2004 une proposition de loi constitutionnelle visant à supprimer ce terme pour le remplacer par le terme d'origine au pluriel. Et de même, 4 ans plus tard, lorsqu'il y a eu cette révision de très grande ampleur, qui est celle relative à la modernisation des institutions de la Ve République, 2 amendements avaient été déposés, une fois encore par le député Lurel et plusieurs autres parlementaires, mais également par le député Cendrier, toutes deux visant à remplacer le terme de race par celui d'origine au pluriel. Donc dans la législation française, c'est resté à l'état de projet, donc cette idée de suppression du terme et de la mention. Alors il y a deux niveaux, effectivement. Au niveau de la Constitution, il n'y a plus en l'état actuel, finalement, de projet de loi en cours d'examen visant à modifier le texte de la Constitution. Au niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau de la loi ordinaire, il y a actuellement une proposition de loi déposée par le député Chassaigne qui est en examen depuis 2013. Mai 2013, donc. Mai 2013, effectivement. À dater, ouais. Et qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais ensuite, la procédure parlementaire est ce qu'elle est. Il faut encore que le Sénat se prononce. Alors aujourd'hui, on entend les pour et les contre, hein, comme souvent dans ces débats, notamment du côté des gens qui sont opposés à cette suppression du terme de race dans la Constitution. Il y a cette idée qu'on ne changera pas la réalité et l'existence de ce racisme, justement, et ce moyen de le désigner en changeant les mots de la Constitution. Alors effectivement, une constitution, ça reste une norme juridique. Si ensuite vous n'avez pas une action à la fois des pouvoirs politiques, des autorités administratives juridictionnelles, mais également une action concrète auprès des individus, un changement de mentalité, effectivement, le terme va perdurer dans les esprits. Il n'empêche que la Constitution, certes, a une dimension juridique, mais aussi une dimension symbolique. Et de ce point de vue-là, la suppression ou l'utilisation d'un autre terme pourrait effectivement être porteur et avoir un mouvement positif. Alors concrètement, modifier la Constitution, ce n'est pas chose simple. Comment, dans les faits, dans le processus, ça peut s'articuler de quoi on part d'une proposition, mais ensuite j'imagine que... Alors en l'occurrence, il y a deux possibilités. Soit un parlementaire ou un groupe de parlementaires dépose un texte qui est une proposition de loi qui a généralement peu de chances d'aboutir. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la proposition de loi constitutionnelle du député Lurel en 2004. En l'occurrence ici, ce serait le président de la République de son initiative, hein, dans la pratique, qui impulserait cette révision constitutionnelle avec la majorité qui est la sienne au sein des assemblées parlementaires. Mais une révision, c'est complexe. Il faut que chacune des assemblées, ou plutôt que les deux assemblées, adoptent le texte en termes identiques, au mot près. Bon, en l'occurrence, ce sera assez facile puisqu'il n'a qu'un mot à modifier. Mais ensuite, il faut que le Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux assemblées à Versailles, valide la modification à majorité des 3/5, sachant que sur le symbole, il y a un accord des élus politiques à ce niveau. Après, sur le plan strictement juridique, sur les conséquences pratiques, c'est moins évident.
En outre, il y a un autre problème qui est l'aspect financier, parce qu'une révision constitutionnelle, ça coûte cher nécessairement. Si on réunit le Congrès, il faut faire venir tous les parlementaires à Versailles. Normalement, la procédure de principe devrait être le référendum. Je n'en ai pas parlé parce que sur la Ve République, on recourt peu au référendum pour modifier la Constitution. Mais organiser un référendum, ça coûte extrêmement cher. D'où l'idée, dans ces cas-là, de modifier la Constitution à l'occasion d'autres projets de réforme sur l'indépendance de la magistrature, sur la suppression du statut des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel. Alors justement, on en parlait tout à l'heure avant d'arriver en plateau, mais justement, est-ce que... c'est vrai que Nadine Morano s'est emparée de ce terme en galvaudant quelque peu peut-être l'esprit justement à l'époque de la Constitution et de la réflexion dans la Constitution de la Ve République. Alors, elle s'est fondée dans ses propos sur des mots du général de Gaulle, déjà qui appartenait à une autre époque. Il faut aussi savoir que c'était quelqu'un qui était féru d'histoire. Sous l'Ancien Régime, on parlait des premières, deuxième, troisième races pour parler des dynasties monarchiques. Donc lui parlait d'une famille, d'une communauté humaine française en termes de grandeur, sans qu'il y ait nécessairement cette connotation péjorative que lui donne Nadine Morano. Et de Gaulle, indirectement, se fondait aussi sur les propos d'une autre personnalité de la Troisième République, Ernest Renan, philosophe de la Troisième République, qui, dans un discours « Qu'est-ce qu'une nation ?» de 1882, il avait finalement initié la distinction entre la conception française et la conception allemande de la nation. La conception allemande était supposée fondée sur la race. Et dans ce discours, il disait ceci. C'est très intéressant, comme quoi elle aurait pu lire ce texte avant d'intervenir. « La vérité est qu'il n'y a pas de race pure et que faire reposer la politique sur l'analyse ethnographique, c'est la faire porter sur une chimère. Les plus nobles pays, l'Angleterre, la France, l'Italie, sont ceux où le sang est le plus mêlé. L'Allemagne fait-elle à cet égard une exception ? Est-elle un pays germanique pur ? Quelle illusion ! Tout le sud a été gaulois, tout l'est à partir de l'Elbe est slave, et ainsi de suite. » Et ensuite, il défend sa conception française, entre guillemets, de la nation, où il dit « Une nation, c'est d'abord une âme, un principe spirituel, des personnes qui ont un passé commun, qui ont un présent commun, qui ont un avenir commun. » Donc c'est en quelque sorte Nadine Morano a une interprétation de rejet aussi à travers... Elle a une vision effectivement qui peut être qualifiée de xénophobe et qui ne correspond pas à la réalité. Parler de race blanche, à quoi est-ce que cela peut correspondre? Si vous lisez par exemple Balzac dans Les Chouans, Balzac parle du Breton du Finistère en disant cet être mi-homme, mi-bête, si loin de notre belle race caucasienne. Mais dans ce cas, ça veut dire que dans des personnes qui seraient blanches, je dis bien seraient, il y aurait aussi des sous-races et ainsi de suite, et on n'en fait plus. La notion de race n'est pas une notion scientifique et ça pose effectivement la question de sa suppression sur le plan juridique. Et est-ce que votre regard en fait sur la situation, est-ce que de supprimer la mention du terme dans la Constitution, est-ce que ça pourrait éviter ce genre de dérapage auquel on a assisté part de Nadine Morano? La suppression ne peut pas nécessairement suffire si elle n'est pas accompagnée d'un changement des mentalités. Ça passe par l'éducation, notamment l'éducation civique, donc c'est quelque chose qui se fait de manière très concrète. Et surtout, la notion est utilisée dans la Constitution dans une perspective qui est condamner les discriminations. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison, effectivement, de sa religion, de son appartenance religieuse, de son appartenance sexuelle, et ainsi de suite, et de sa race, même si le terme de race, effectivement, peut être en tant que tel inapproprié. D'où l'idée, peut-être, de le modifier, pourquoi pas, par le terme de racisme. Et d'ailleurs, il est une proposition de loi, effectivement, en cours d'examen, dans lequel la commission des lois
et l'Assemblée nationale se sont prononcés plutôt, non pas pour la suppression du terme de race, mais pour l'utilisation du terme de racisme, parce que lorsque vous condamnez le racisme, donc ne peut faire l'objet d'une discrimination sur, pour des raisons racistes, ce que vous condamnez, c'est la croyance erronée, effectivement. D'un côté, on élimine cette idée sur laquelle il y aurait des races, puisque ça ne correspond à aucune réalité scientifique ni autre, et vous condamnez cette croyance, effectivement, très primaire, sur laquelle il y aurait des races. Et justement, est-ce que vous pensez que cette actualité, elle peut être un accélérateur, justement, dans ces processus de projets de modifier, alors, que ce soit la législation ou la Constitution, ça va remettre ça un petit peu sur... Alors, elle relance effectivement le débat avec les limites que j'évoquais, la difficulté à réviser la Constitution en tant que telle. On peut également rappeler que le principe de non-discrimination figure dans un certain nombre de conventions internationales, y compris la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il faudrait aussi une action pour modifier le mot à ce niveau. Il n'empêche que, de l'autre côté, vous avez un certain nombre d'arguments qui plaident en faveur de la suppression de ce terme, notamment le fait que lorsqu'il a été introduit, alors il a été introduit initialement dans le préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de notre état du droit actuel, et il a été introduit de nouveau dans la Constitution de 1958. Lorsque ça a été introduit, il n'y a pas eu de débat sur la notion, il y avait une sorte d'accord général sur l'idée de refuser la discrimination sur le fondement de la race, mais il n'y a pas eu de débat sur le fait de savoir s'il existait des races, c'était d'ailleurs exclu dans l'esprit de beaucoup, et donc... Le mot peut être modifié, a priori, sans que cela ne pose de problème. Seulement, il y a quand même une petite difficulté, c'est que je vous ai dit que ça figurait dans le préambule de la Constitution de 1946, qui pose, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, le principe de la dignité de la personne humaine. Le problème, c'est qu'il y a un accord, un consensus assez général sur lequel ce texte, parce qu'il date de 1946, parce qu'il a été adopté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne devrait pas être modifié. De même, est-ce qu'on peut modifier la déclaration de 1789 ? Donc il y a un débat là-dessus, sachant qu'on peut très bien la modifier dans la Constitution de 1958 et maintenir la référence originelle dans la Constitution de 1946, sachant qu'il y avait cette idée très forte d'un rejet de toutes les discriminations qui ont abouti aux exactions que l'on connaît. Alors comment gèrent, entre guillemets, par exemple, d'autres pays européens ? Est-ce que dans leur constitution, ou peut-être même la constitution européenne, il n'y a pas de mention du terme alors, race ? Alors en l'occurrence, bon, il n'y a pas de constitution européenne. Il y avait été question en 2005 d'un traité portant constitution pour l'Europe, parce que c'était en réalité un texte fondateur peut-être. Mais effectivement, la charte européenne des droits fondamentaux utilise ce terme, beaucoup de conventions internationales l'utilisent, mais avec cet accord sur le refus de l'idée de race. Je crois qu'il y a un consensus général sur le fait qu'il n'y a pas de race scientifiquement, et une action, pourquoi pas de la France, auprès des instances européennes, auprès de l'ONU, pour changer le terme, pourrait, pourquoi pas, aboutir, même si c'est un travail de longue haleine. Eh bien, merci pour ces éclairages et sur un sujet qui n'est pas évident. Et merci, en tout cas, de nous avoir expliqué tout cela. Je vous remercie. On poursuit à présent et on dit un mot de tourisme avec le comité martiniquais qui a rassemblé hier près de 400 personnes à Paris pour évoquer notamment la rénovation hôtelière dans le secteur. Voyons ce sujet, il est signé de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. C'était une conférence de presse essentielle puisqu'il y a eu beaucoup de nouvelles et beaucoup de bonnes nouvelles. Alors nous avons eu la participation à nos côtés d'hôteliers qui sont venus parler de leurs travaux de rénovation, de réouverture. Nous avons eu l'hôtel Bambou qui va ouvrir des suites, qui a rénové une partie de son hôtel et particulièrement la restauration pour pouvoir
pouvoir également accueillir, au-delà des touristes de séjour, des touristes de croisière et puis les Martiniquais également qui séjournent. Nous avons eu la suite Villa qui a annoncé sa 5e étoile, ce qui fait qu'aujourd'hui la Martinique compte 2 établissements ayant une 5e étoile. Nous avons eu le Panoramique qui nous a fait une présentation sur tous ses travaux de rénovation, qui lui vaut déjà d'avoir reçu un prix de TripAdvisor. Nous avons également accueilli les hôtels Caribéa qui sont actuellement fermés pour travaux de rénovation à Sainte-Luce et qui vont réouvrir en décembre, entièrement rénovés. Et enfin, l'ouverture d'un nouvel établissement à la Pointe Simon qui va s'appeler Le Simon, qui est un hôtel d'affaires de 94 chambres avec des standards internationaux. Et ils ont pour objectif d'avoir une des meilleures tables de la Martinique puisque les menus seront élaborés par un chef étoilé. Donc ça, c'est pour la partie hôtelière. Évidemment, nous avons encore des hôteliers qui sont en difficulté. Donc nous avons annoncé que nous mettons en place le schéma directeur hôtelier pour pouvoir les accompagner puisque leur difficulté aujourd'hui, c'est d'être endettés au niveau fiscal et social. Et donc de ce fait, ils ne peuvent pas prétendre aux aides de la région, de l'État et de l'Europe. Donc ce schéma va consister d'une part à les aider grâce à un mécanisme que l'on met en place avec l'AFD pour pouvoir régler, s'acquitter de leurs dettes sur des prêts à des taux intéressants sur du moyen et du long terme. Et parallèlement, puisqu'il ne s'agit pas que de payer les dettes, mais de pouvoir faire de la rénovation, puisque l'objectif est que tous nos établissements hôteliers montent en gamme. Nous ne pourrons pas avoir des tarifs comme dans les îles voisines, où les salaires des employés sont quelquefois 100-150 $. Non, nous sommes en Martinique, en France, en Europe, il y a des standards, il y a un niveau de vie et nos salariés, nous ne toucherons absolument pas à leurs acquis. Par contre, ce que nous devons faire et qui est une obligation de notre part, c'est de monter en gamme et toute l'industrie touristique et hôtelière singulièrement doit monter en gamme. Voilà, et puis sachez toujours dans la page tourisme que la ministre des Outre-mer, Georges Pau-Langevin, a inauguré le salon dédié aux professionnels du tourisme ce matin à Paris. Elle s'est rendue sur les stands de Guadeloupe, Réunion, Martinique, Mayotte ou encore Tahiti. La grand-messe du tourisme va rassembler jusqu'à 30 000 professionnels jusqu'à samedi. Le rendez-vous rassemble voyagistes, transporteurs, hôteliers, mais également des officiels. En effet, une dizaine de ministres étrangers sont présents pour mettre en avant leur pays. Nous verrons peut-être à la fin de ce journal des images qui nous parviennent de Paris. En attendant, on va prendre une courte page de publicité. On revient ensuite pour la suite des infos, mais surtout notre chronique Innovation. On parlera nouvelles technologies et applications. À tout de suite. Voilà, il est 13h et vous êtes toujours dans le ZCL. Karine Duménil nous a rejoint. On parlera tout à l'heure application, Karine, aujourd'hui. Exactement, encore une nouvelle application. Ah, top. On continue avec les news. Formé d'abord aux arts plastiques à Paris, il a travaillé dans de grandes maisons de couture, dont Carven. De retour en Guadeloupe, il a créé sa griffe JMB en 2012. Le créateur Jean-Marc Benoît s'est fait un nom dans le monde de la mode en Guadeloupe et fait partie de cette génération qui monte. Samedi, il présentera sa nouvelle collection baptisée Itinéraire au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. Alain Hannibal et Charlie Dagonia sont allés lui rendre une petite visite ce matin dans son atelier à Mornalo. On regarde ces images. Il faut savoir que ce sont des métiers qui sont vraiment différents. On peut faire les deux, mais être coupé un modèle et monter un modèle, c'est vraiment deux activités bien distinctes. Qui demande séparément des techniques bien différentes qu'il faut apprendre pour pouvoir être un bon styliste. Il faut savoir être un bon modéliste, savoir bien couper un vêtement et être un bon couturier, savoir bien coudre un vêtement. Et j'ai fait une formation à la chambre syndicale à Paris, une double formation de styliste et de modéliste où on apprend à la fois à faire des vêtements et à la fois à les créer, à les dessiner. Alors il y a des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier en regardant les magazines quand j'étais jeune au lycée, en regardant les magazines, les certains créateurs comme Christian Lacroix ou Christian Dior, Chanel, ça donne envie.
Ma formation à Paris a été très déterminante et a vraiment imprimé mon style que j'ai voulu faire connaître aux Antilles. Et de toute façon, c'était un peu inévitable que je revienne ici parce que je suis assez attaché à la culture antillaise. Alors ce mélange de culture antillaise et de mode parisienne, c'est tout à fait ce qui me définit. Alors, ce qu'on a, ce sont des prototypes qui sont réalisés pour la promotion, ça veut dire pour les défilés. Donc forcément c'est grand, forcément c'est du taille 36 parce que c'est pour la promotion. Maintenant, moi je fais du sur-mesure et je tiens à ce qu'on sache qu'on peut habiller tout le monde. En tout cas moi j'habille tous les gabarits. Ce week-end je présente la troisième collection qui s'appelle Itinéraire, qui sera présentée à Pointe-à-Pitre au pavillon de la ville. C'est une démarche que j'ai eue en pensant à tous les voyages que j'ai fait. C'est un voyage au cœur des villes et de la géométrie des villes. Il est beaucoup question de géométrie, d'asymétrie, de lignes, d'architecture, voilà. Il sera question de ça. Voilà, Jean-Marc Benoît qui sera notre invité vendredi dans le ZCL pour évoquer justement cette nouvelle collection. Juste quelques mots de cette brève et l'interception d'un GoFast transportant près de 250 kilos de cocaïne dans la nuit du 23 au 24 septembre 2015. La frégate de surveillance Ventos de la Marine nationale est intervenue à l'ouest de Sainte-Lucie. Trois ballots, soit plus de 80 kilos de cocaïne, ont été récupérés en mer. Voilà. Comme promis, Karine Duménil est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Alors, qu'est-ce qu'on évoque aujourd'hui? Je crois que c'est une application d'apparaître sur nos téléphones. Exactement. Donc c'est Trois-Rivières à la carte qui a été présentée la semaine dernière. Il y avait une grande conférence de presse à la mairie de Trois-Rivières pour présenter cette nouvelle application mobile. Ça tombe bien puisqu'on est à la veille de la haute saison touristique. À partir du mois de novembre, là, fin octobre, début novembre, les touristes vont commencer à arriver. Et là, ils auront un peu plus d'autonomie sur leur parcours grâce à cette application. Donc aujourd'hui, alors déjà l'objectif de la mairie de Trois-Rivières, c'est de pouvoir mettre en avant, valoriser la culture patrimoniale de la ville. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une centaine de sites visibles sur la commune. Et qu'on ne connaît pas forcément. Et qu'on ne connaît pas forcément, à moins d'être de Trois-Rivières. Et encore. Voilà, donc ils en ont répertorié qu'une cinquantaine pour le moment. Et donc l'application sera mise à jour au fur et à mesure en fonction des parcours qu'ils voudront mettre en avant. Voilà. Alors l'idée, c'est en quelque sorte de géolocaliser les points d'intérêt dans la commune. Exactement. Donc on verra ça sur les photos que j'ai fournies tout à l'heure. Donc déjà, c'est valoriser la richesse patrimoniale. Faciliter la vulgarisation du patrimoine, parce que bon, je parle de saison touristique, mais c'est pour tout un chacun, c'est pour nous tous. On peut se dire, voilà, aujourd'hui je passe une journée à Trois-Rivières et je fais le tour des sites. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi pour nous. Faire du patrimoine un levier de développement. Mais alors on voit à l'écran justement, Karine, à quoi ressemble l'application. Exactement, donc quand on arrive sur l'application, on a le choix sur ces trois parcours. On peut pas se perdre. Non, impossible. À moins d'avoir perdu son téléphone. On ne peut pas se perdre. Voilà, une fois qu'on a choisi son parcours, on a un résumé de ce que vous allez trouver tout au long du parcours. Et là, on peut choisir les points. Alors, il n'y a pas que des points de visite sur le parcours, mais on parle aussi de plantes médicinales. On a aussi des vidéos qui expliquent, voilà, vous avez telle plante sur le parcours, ce qu'elle peut vous apporter ou pas. Voilà, voilà, je vois, il y a le petit commentaire qui va bien quand on se trouve devant l'église. On a le nom du site en question avec... On a toujours des photos. Donc là, sur ce parcours, on a uniquement des photos, mais sur d'autres parcours, on a aussi des vidéos. Voilà. Donc l'application est disponible sur Apple Store et Google Play. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on ne peut pas se payer un guide, l'application mobile peut aussi faire office de guide, puisqu'on a vu sur la carte géolocalisée, il suffit de cliquer sur le logo de l'application et ensuite on a une explication, une définition, une vidéo, etc. Donc c'est très complet. Alors la question, Karine, c'est est-ce qu'on a besoin d'une connexion Internet qui fonctionne bien au moment où on se balade? Exactement, puisqu'il y a le GPS aussi. Il faut que le GPS du téléphone soit actif pour pouvoir utiliser l'application. Oui, il faut. Vous l'avez testé?
Je l'ai testé, oui. Alors, je ne suis pas allée à Trois-Rivières avec encore. Comment ? Mais bon, je l'ai téléchargé et j'ai trouvé que c'était quand même, c'est quand même très, très bien fait. C'est bien pensé. Ça a l'air assez intuitif, hein, même pour les gens qui ne sont pas habitués à utiliser ce genre d'application. Ça a l'air assez simple d'utilisation. L'idée de mettre les vidéos et de mettre en avant aussi la partie audio, ben, c'est bien aussi pour les personnes peut-être malvoyantes. On peut partir avec quelqu'un qui est sur le parcours et qui ne voit pas très bien ou qui n'entend pas très bien. Là, on peut... Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Mais l'idée, alors, c'est que depuis Jarry, on peut visiter aussi Trois-Rivières. Mais ça donne plus... Oui, on peut visiter Trois-Rivières de Jarry, mais il vaut mieux y aller, puisque c'est vraiment une mise en bouche. On se dit, bon, ben, le parcours fait 5 km, voilà ce qu'il y a sur le parcours, mais en fait, ça donne vraiment envie d'y aller. On a un maximum d'informations, mais ça donne quand même envie de faire le parcours de randonnée. Oui. Alors, elle est gratuite, cette application ? C'est une application gratuite, oui. Donc aucune excuse de ne pas la télécharger. Et aucune excuse de ne pas aller à Trois-Rivières. Voilà. Autre chose à rajouter sur Trois-Rivières à la carte, on n'a pas précisé, c'était oui, le nom de l'application. L'application, c'est Trois-Rivières à la carte, elle est disponible sur Google Play et Apple Store. Et téléchargez-la, puisque de toute façon, ça va bouger, là, il y aura d'autres points touristiques du patrimoine à mettre en avant. Donc pour le moment, il n'y a que 3 parcours référencés, mais tout sera étoffé au fur et à mesure de vos retours aussi, puisqu'il faut faire des retours sur les applications pour les améliorer. Alors Karine, question, est-ce que vous pensez que ça va motiver les autres villes, les autres municipalités de Guadeloupe et qu'on va voir apparaître un Pointe-à-Pitre à la carte, un Jarry à la carte pourquoi oui. pas Jarry, ce serait bien. Saint-François à la carte. Oui, il faut que les collectivités s'y mettent puisque c'est la première collectivité à développer une application mobile. Et c'est vrai que les pouvoirs publics nous poussent à développer des applications dans le secteur privé avec les bourses French Tech, la BPI, etc. On est vraiment appuyé par les pouvoirs publics pour développer les applications mobiles. Mais bon, hein, apparemment, le cordonnier toujours mal chaussée. D'autant qu'on sait faire ça ici, de créer, développer des on a de très bons développeurs et des outils numériques. Oui, tout à fait. Donc, chères municipalités et collectivités, vous pouvez vous mettre au service. C'est un service public aussi, hein, et pas que sur le patrimoine. Hein. Et une valeur ajoutée aussi pour les touristes exactement. Qui sont de passage. Tout à fait. Exactement. Bon, en tout cas, nous, on est convaincus. Hein. Ah oui, d'avance. Moi je suis convaincue. Allez-y, sans hésiter. Alors, voilà. Deuxième volet de la chronique, si on en a fini avec l'application. Oui. Le deuxième volet de la chronique, c'est les offres d'emploi et de formation avec Albé Développement. Donc aujourd'hui, on va rester sur la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance. Donc c'est un niveau Bac plus 1. Donc on recherche encore des candidats sur ces postes. Donc alors je vais vous donner comme d'habitude un aperçu du poste. Voilà, donc vous allez gérer les appels sortants, faire de la prospection téléphonique ciblée et du développer le portefeuille des clients sur la partie appels sortants, faire les prises de rendez-vous pour l'équipe commerciale en respectant les objectifs fixés. Alors, il faudra aussi enrichir le fichier client existant par téléphone, donc c'est important. Il faudra aussi être force de proposition et détecter de nouveaux projets et identifier les besoins de la clientèle, faire de l'accompagnement, du conseil aux clients, promouvoir les services de l'entreprise et surtout appliquer le plan d'action commercial défini par l'entreprise, voilà, par le service commercial. Ça, c'était pour les appels sortants, pardon. Pour les appels entrants, donc à ce moment-là, vous redirigez les appels vers les services concernés. Voilà, donc vous êtes garant de la qualité de service, de l'accueil de l'entreprise et de son image de marque, c'est important. Vous apportez des solutions adaptées aux problèmes de l'entreprise et proposez des prestations additionnelles. Et donc après analyse des demandes et en adéquation avec les procédures internes, vous réalisez le traitement de la demande de bout en bout ou si nécessaire, la transférer au service compétent. Voilà, donc le profil. Donc il faut être titulaire du bac, c'est obligatoire, minimum. Vous justifiez d'une expérience dans la relation client au sens large, donc ça peut être dans la banque, le commerce, SAV, accueil physique et téléphonique. Vous avez une bonne maîtrise du français lu, écrit et parlé. Une excellente communication, le sens de l'écoute, la disponibilité, le goût de l'accueil. Et bien évidemment, avoir le goût pour la relation client. Donc c'est un contrat en CDD d'un an, en contrat de professionnalisation. Et donc ce poste est ouvert aussi aux personnes en situation de handicap. Voilà, donc ça c'était pour la mention complémentaire. Pour le poste, on recherche aussi... Le lieu, c'est Jarry, Karine. Oui, alors pour avoir des informations sur les entreprises qui recrutent
sur ce type de formation, il vous suffit de contacter LB Développement au 05 90, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que j'ai mis le numéro, 810-835. Voilà. 810-835 chez LB Développement à la rue de la Chapelle. Donc ça, c'était pour la mention complémentaire. On va passer au poste de chargé de recouvrement. Donc c'est un titre professionnel de niveau 3, donc niveau Bac plus 2. Donc le poste en lui-même, vous êtes en charge de faire de la prise de contact téléphonique avec les clients en retard de paiement pour obtenir le recouvrement de la dette. Donc vous recueillez les arguments des débiteurs sur les causes des impayés. Vous mettez en place des échéanciers avec les clients et vous organisez des suivis et des relances clients. Vous gérez les encaissements et vous mettez à jour les dossiers clients. Voilà. Donc le profil du candidat doit être le suivant. Donc vous êtes titulaire d'un bac minimum, c'est obligatoire. Vous justifiez d'une expérience dans la relation client, donc téléconseiller, conseiller commercial, téléprospecteur, télévendeur ou dans le recouvrement. Donc les secteurs visés sont tout ce qui est juridique, bancaire, assurance, commercial, comptabilité. Il faut quand même de bonnes compétences de savoir-être, donc être très diplomate. Donc il faut avoir la capacité à aborder et convaincre un débiteur. Voilà, sachant que quand on est débiteur, c'est jamais très simple. Donc il faut quand même être diplomate. Il faut savoir communiquer avec ces personnes qui sont déjà en difficulté, hein, clairement, et pouvoir aussi garantir des résultats aux créanciers qui en attente de son paiement. Voilà, donc il faut savoir négocier, être à la fois ferme et souple. Voilà, donc voilà. C'est un équilibre. C'est un équilibre, exactement. Il faut avoir de l'empathie et comprendre l'autre. Voilà. Donc c'est un contrat de CDD, un CDD d'un an en contrat de professionnalisation. C'est-à-dire on alterne une la période. Formation et voilà. L'entreprise. Et l'entreprise, voilà. Donc je crois que c'est une semaine de formation, trois semaines en entreprise, ça dépend des formations. Et donc ces postes sont aussi ouverts aux personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça, c'était pour les offres d'emploi. On va passer aux offres de formation. Donc là, cette semaine, on a les entretiens professionnels qui sont réalisés sur une demi-journée. Et donc à partir du 1er octobre, donc vous serez accueillis. Alors il faut faire attention aux entretiens professionnels puisque la loi, avant le 6 mars 2016, normalement toutes les entreprises devraient être au fait de tous ces changements, hein, puisque tout est issu de la réforme de la formation professionnelle. Donc ce sera une formation d'une demi-journée et ensuite vous aurez un after work après cette formation, donc pour les chefs d'entreprise, les directeurs des ressources humaines, les responsables du personnel, etc. Voilà. On continue à échanger en toute convivialité. Exactement, c'est le but. Donc ensuite, les 5 et 6 octobre, toujours sur une demi-journée. Alors c'est demi-journée ou journée, c'est des formations professionnelles, donc elles sont courtes, puisqu'elles sont destinées à des cadres qui n'ont pas toujours le temps. Voilà, donc il reste quelques places pour la formation de gestion de conflits. Donc c'est important, hein, puisque quand on est dans un groupe, dès qu'il y a un groupe de personnes, il y a forcément des conflits, il y a des divergences, donc il faut savoir les gérer pour éviter les désamorcer, les désamorcer, surtout pour continuer à faire en sorte que l'entreprise soit productive. Donc là, c'est sur la gestion. On a aussi les fondamentaux du management. Les 12, 13, 19 et 20 octobre, là, c'est sur la journée. Donc là, c'est pour tous les cadres qui ont à gérer des équipes. Donc ça reste quand même intéressant. C'est sur une journée. Et donc, vous pouvez, à l'issue de cette formation, être plus efficace sur la gestion d'équipe. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai managé au féminin. C'est important, ça. C'est important. Et donc, ça, c'est sur des journées complètes, les 5, 6 et 12 novembre. Donc, voilà, pour toutes les femmes qui entreprennent, qui ont aussi des équipes à gérer et pouvoir passer les préjugés, hein, pour toutes les personnes qui pensent que c'est plus difficile pour les femmes. Non, c'est en ayant des outils corrects entre les mains, on peut réussir à manager correctement son équipe. C'est voilà. Une formation qui est pilotée par Claire Gloreau, qui est coach en management et qui connaît exactement. Très très bien son sujet. Exactement. Et qui fait bien passer son message. Tout à fait. Donc on a la dernière formation, donc le 19 et le 20 octobre, une formation très importante sur les clés d'un recouvrement efficace. Donc c'est Madame Milor qui est spécialisée dans la gestion de grands plateaux d'appels qui vient spécialement pour former les entreprises au recouvrement. Donc ce sont des ateliers pratiques, c'est sur une journée, donc sur deux journées, le 19 et le 20 octobre. Voilà, les clés d'un recouvrement efficace. Voilà.
Merci. Alors, je vais rappeler quand même le numéro de téléphone, le 05 90 810 325. Donc, c'est LB Développement à la rue de la Chapelle. Donc, vous pouvez déjà commencer à appeler. Il reste encore quelques... Alors, pour les entreprises, j'en fais un appel aussi aux entreprises, puisqu'il y a encore des profils de candidats sur la formation de chargé recouvrement et la mention complémentaire. Il y a des profils très intéressants en attente d'entreprise chez LB Développement, donc chef d'entreprise. Vous pouvez aussi contacter LB Développement au 05 90 810 325. Voilà, juste une brève qui vient de nous parvenir. Je suis sûre que ça va vous intéresser, Karine. Et cette la confirmation de la suppression de l'itinérance téléphonique entre les Outre-mer et l'Hexagone dès l'an prochain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les surcoûts liés aux appels et aux SMS entre l'Outre-mer et l'Hexagone disparaîtra. L'ensemble des citoyens français ultramarins comme hexagonaux téléphoneront ainsi au même coût sur l'ensemble du territoire national. C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Et puis, cette image que je voulais vous proposer, alors Karine, je vais vous poser la question, l'image du jour, si on va peut-être la voir dans un instant. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez ce visage, Karine? Non, je ne reconnais pas ce visage. Si vous êtes allé surfer sur Twitter aujourd'hui, vous aurez peut-être vu passer cette image. Il s'agit de Valérie Trierweiler. Et oui, elle pose pour un magazine nippon et les twittos se sont bien sûr emparés du sujet et de cette image où elle apparaît, bien changée et un peu rajeunie. Alors je ne sais pas si Photoshop est passé par là. Ah, Photoshop fait des miracles. Oui, il paraît. Voilà, et bien merci Karine, la semaine prochaine. Céline, oui, à mardi prochain. C'est la fin de ce ZCL. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est ce soir dès 18h30 dans le journal, rediffusion à 20h. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. À demain.